Le thème qui s'est imposé sur mon cœur est celui-ci. Les trois personnes à fuir dans ta nouvelle saison. Les trois personnes à fuir, j'ai envie de dire à ne pas fréquenter dans ta nouvelle saison. Oui, il y en a plusieurs, mais trois particulièrement m'interpellent ce matin. Vous savez comme moi que dans la vie chrétienne, et particulièrement dans la marche avec le Seigneur, nous rencontrons plusieurs sortes d'obstacles. Des obstacles qui ont des natures différentes, des embûches qui peuvent même se perdurer et nous donner parfois de tourner en rond, emmagasinant nos années, mais ne développant aucune croissance avec le Seigneur. Si on fait allusion à nos différents handicaps physiques, par exemple, quel que soit l'handicap, mental, physique, psychique, la personne peut être handicapée, mais ses années ne sont pas handicapées. Puisque l'handicap est là, mais la personne prend toujours de l'âge. Trois réalités se sont imposées à moi, puisque je suis de service de cette façon-là ce matin, et que c'est finalement le premier de culte un dimanche que nous officions ensemble pour ce qui est de cette année, de cette saison 2023. Je me suis dit, Seigneur, ça ne ressemble à rien, à des vœux, à des souhaits. Ça ne caresse pas dans le sens du poil. Et j'ai eu plusieurs raisons pour dire, puisque tu insistes, j'y vais par ta grâce pour développer cette pensée. Je vous propose donc une lecture qui nous parle d'un certain Hérode et le contexte. C'est Jésus qui est né et sa naissance a provoqué dans le cœur d'un homme qui s'appelle Hérode, qui n'était pas content et attendait un retour de certains envoyés. Et comme ces personnes ne sont pas revenues, Hérode a voulu de lui-même décréter des lois pour empêcher la vie, la survie, la venue du Messie, à savoir Jésus. Et la portion de la lecture que je fais dit ceci: lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les anges, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus,
qui était à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Et Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Amen. J'ai eu l'impression que je n'ai pas donné la référence à lire. Sorry. Hérode. Hérode, qui est ici l'image du tueur des projets de Dieu au plan humanitaire. Le Père a soigneusement pris des années, des centaines d'années pour préparer l'avènement après avoir averti par des lois et par des prophètes que le Messie viendrait. Il a préparé pour l'arrivée de Jésus. Et voilà qu'un roi du moment a voulu s'opposer à cela. C'est pour ça que je peux l'appeler Hérode, le tueur de projets et de rêves, le tueur de visions, le tueur de plans de la rédemption. Et les ambitions de ce roi étaient claires. En ratissant large, n'avait aucun autre désir que d'éliminer, tuer Jésus. Ses ambitions consistaient à empêcher le plan rédempteur de Dieu à se réaliser. Et pour pallier à cela, Dieu demande aux parents de déménager en Égypte. Est-ce qu'il y a des parents qui entendent encore Dieu au sujet de leur enfant quant au projet diabolique à leur sujet? Est-ce que Dieu ne te demande pas ce matin, de façon particulière, à faire quelque chose? Est-ce qu'il ne te demande pas quelque chose de particulier au sujet de tes enfants? Et j'ai comme l'impression que ton obéissance à cette demande dépend de la survie de ceux ou de ces enfants que Dieu t'a donnés. Oui, je crois que quand on obéit à Dieu, ce qui peut nous atteindre reste et restera toujours sous le contrôle parfait de notre Dieu. Joseph et Marie, issus du peuple choisi de Dieu, savaient ce que c'est que l'Égypte. De par leur histoire, de par leurs ancêtres. Mais de prime abord, on a l'impression que ce n'est pas mieux. Alors que ce roi est en train d'échafauder des plans, Dieu va divinement parler à Joseph. Je t'encourage, je nous encourage à simplement obéir ce que Dieu te demande. Dieu te demande quelque chose de particulier. Mon ami, obéis. Peut-être que ce matin, tu es un nouveau-né. Un nouveau-né dans la foi.
Hérode de ta vie cherche à tuer cette jeune foi. Et Dieu te demande de fuir ce qui menace ta vie spirituelle, ta vie de jeune foi. Et vous savez que la jeunesse de la foi ne se mesure pas en longueur d'année, mais par l'expérience, le vécu quotidien que nous avons avec le Seigneur. Hérode est le tueur de projets et de rêves, de plans de Dieu. Notre Dieu a un plan qui est le salut de quiconque. Dieu ne fait exception de personne, il ne repousse personne. Dieu aime la personne que tu n'aimes pas. Dieu aime aussi la personne que tu penses qu'elle te fait souffrir. Parce que s'il n'aime pas cette personne, il ne peut pas t'aimer toi aussi. Et comme il nous aime tous, Hérode, qui es-tu pour oser lever la main sur Dieu, sur son fils? Il ne va pas réussir. Je signale simplement qu'il y a trois Hérodes dans la Bible. Et cet Hérode ne va pas faire long feu, puisque juste après, avant même que Jésus ait son âge adulte, selon la coutume juive, va mourir. Et c'est l'ange qui est venu annoncer le décès. Et invite Marie et Joseph à retourner avec l'enfant. On peut s'attarder pendant des heures sur ce texte, mais qu'est-ce que c'est que cela? Quand on sait que Dieu est capable, même auprès de l'ennemi, auprès d'Hérode, de protéger par une légion d'anges son fils, mais il lui demande de quitter. Je pense qu'il y a des zones, il y a des endroits, il y a des terrains, il y a des périodes, il y a des saisons où il faut savoir, quitter. Parce que c'est ta vie qui en dépend, la survie. Je ne m'attarde pas tout de suite sur lui, mais sache qu'il existe encore des Hérodes des temps de la fin. Le même qui s'est opposé à la venue physique de Dieu cherchera à s'opposer à son retour et par ce fait mettra tout en œuvre. En deuxième texte, je vais y donner maintenant cette fois-ci la référence, Exode 14, 26. C'est la deuxième personne que je vous encourage à fuir. Exode 14, verset 26, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuir à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon et qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul.
Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Par ce texte, nous assistons de façon claire, nette, précise, à la signature finale de la délivrance du peuple d'Israël, mais mise à mort totale de l'Égypte. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans ces moments de guerre et de combat, le chef de l'armée était dans la mêlée et était même devant. Pharaon était devant et la Bible précise qu'il y était avec des élites et 600 chars occupés par d'autres. Et tous vont être engloutis. Pharaon, c'est le détracteur de destinée. C'est lui qui empêche, c'est lui qui voudra t'empêcher, c'est lui qui voudra empêcher l'Église de Jésus-Christ de vivre sa pleine délivrance. Pharaon est l'image de ces personnes qui vont te donner de toujours vouloir miroiter les oignons et les concombres de l'autre côté. Pharaon est celui qui va te dire, contente-toi, toi seul, d'être sauvé. C'est pas grave si ton épouse n'est pas au Seigneur. Après tout, on s'entend mieux comme ça. Après tout, j'en connais des couples chrétiens, c'est pas mieux, donc c'est mieux comme cela. Et tu encaisses d'être seul à confesser le Seigneur. Et les enfants, on n'en parle pas. Je note dans ce texte que le même Moïse qui a ouvert la mer, c'est lui aussi qui la referme par la puissance de Dieu. Église de Jésus-Christ, ne vivons pas dans la peur, car notre délivrance arrive bientôt. Plus qu'une mer qui s'ouvre, le ciel se déchire et laisse arriver le Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur qu'aussi, en ces temps modernes, en ces temps de la fin, il y a encore des pharaons qui poursuivent l'œuvre de Dieu, qui n'acceptent pas que les enfants de Dieu entre dans leur terre promise, entre dans leur destinée. Il y a des pharaons qui ne se réjouissent pas de voir ton couple en bon état, de voir tes enfants marcher avec le Seigneur. Il y a des pharaons qui n'acceptent pas de te voir en bonne santé. Si les Hérodes sont des tueurs de projets, les pharaons sont des tueurs de destinée. Jusque-là, je vous fais remarquer que ni Marie, ni Joseph, ni les autres juifs avec eux n'ont essayé de combattre Hérode. Ni Moïse, ni Josué, ni Caleb, ni Aaron n'ont essayé de combattre Pharaon. Savez-vous que le Dieu qui demande à Moïse de tendre son bâton sur la mer et que le vent impétueux qui fait allusion à autre chose dans la Nouvelle Alliance, et ce bâton va fendre, le même bâton, Dieu aurait pu dire, dirige-le vers l'armée de Pharaon. Dieu aurait pu, puisque la colonne de nuée, le feu qui était devant le peuple, s'est déplacé pour s'intercaler entre l'armée de Pharaon et le peuple d'Israël. Dieu aurait pu, par ce même feu, les consumer. Et on n'en parle plus. Mais il a décidé d'agir autrement. Et ce n'est qu'une conviction personnelle. Ça n'engage que moi. Si, avec la colonne, ce feu qui les a empêchés d'avancer, l'armée de Pharaon et son armée, s'ils avaient simplement à ce moment-là, on retourne chez nous, il n'y a plus rien à faire, je pense qu'ils se seraient retournés chez eux. Mais quand ce feu s'est déplacé et qu'ils ont voulu avancer,
Avez-vous vous, vu la manière dont les choses se produisent? Le peuple rentre, il sort. L'armée poursuit. Et toute l'armée est dans la mer. Dieu, en Moïse, a ouvert la mer pour son peuple. Mais il ne l'a pas ouvert pour l'ennemi du peuple. Mais l'ennemi a voulu usurper la bénédiction du peuple. Quelqu'un m'entend là? En fait, c'est ça qui passe par chez Dieu. Ce que Dieu donne comme une bénédiction, certes donné, mais c'est toujours à lui. Jésus, en venant sur terre et en faisant le choix de ses disciples, a pu dire, « Je vous ai choisi pour vous avoir avec moi. » Notre délivrance est une réalité. Elle est acquise. Le diable ne parvenant pas à arrêter le plan de Dieu, ne parvenant pas à venir à bout de l'humanité pour ce qui est de son salut, puisque les âmes se convertissent en masse et en masse encore, ne nous leurrons pas, même si ce n'est pas à des chiffres qu'on aimerait entendre, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit, il y a des âmes qui se donnent au Seigneur. Quand vous allez en Asie mineure et autres, il y a des belles conversions, il y a des choses énorme, même si les choses semblent être pas tout à fait comme ça en Europe, partout dans le monde. On est surpris, ouvre les yeux et les oreilles, tu verras que le Saint-Esprit est en action. Mais on est tellement habitué à voir là où ça ne va pas. L'ennemi attaque l'Église de Jésus-Christ en suscitant des pharaons modernes, en nous donnant de nous contenter simplement de servir notre Dieu. Juste avec notre bétail, juste avec notre bien, juste avec notre talent. Contentez-vous de le servir. Juste pour une famille de 10, vous êtes deux à venir à l'église, c'est déjà pas mal, non, frère? C'est déjà pas mal. C'est pas bien. Dieu, c'est du 100%. Et tant que les 10 ne sont pas venus adorer le Seigneur, ton combat n'est pas terminé. C'est ça l'objectif. Pourquoi tu dis que tu es fatigué de prier pour ton frère, pour ta sœur, qui s'enlise dans le péché? Oh, mais je l'ai expliqué maintes fois. Dieu ne te demande pas d'expliquer maintenant. Il te demande de prier. De prier. Il y a un qui a prié et qui a dit à Dieu un jour, si tu ne le fais pas, efface mon nom. Je ne te demande pas cela, puisque pour ce qui me concerne, ça sera difficile aussi. Mais ne t'habitue pas à cela. Oui, oui. Ta vieille tante que tu ne vois pas. Ta maman qui t'a mis au monde, que tu aimes. Mais à cause de la foi, vaut mieux ne surtout pas parler de Jésus-Christ. Et tu t'es contenté de cela. Tu t'es habitué de cela. Et tu dis, ta vie chrétienne, elle est belle. Elle n'est pas tout à fait belle parce que les nôtres. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, tu as de la famille. Je suis en train de dire simplement jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle, jusqu'au retour du Seigneur, nous avons le devoir dans la notion de consécration d'intercéder pour les nôtres, pour ceux qui ne sont pas en Christ, d'intercéder pour ceux qui sont, de tenir ferme. Malgré les efforts du diable, et vu sa fin, F-I-N, prochaine et certaine, il use de stratégie en attaquant individuellement les enfants de Dieu. Et là, j'arrive au cœur de mon message en vous proposant une lecture dans Esther chapitre 2,
verset 21, c'est le troisième personnage, la troisième personne qu'il faudrait fuir lorsque Dieu te demande de le faire. Esther 2, 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assise à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi d'Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Chapitre 3, verset 1er. Toujours d'Esther. Après ces choses, le roi d'Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amdata, l'Agagite. Il se leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Je vous fais remarquer que tous les serviteurs du roi qui se tenaient au seuil et à la porte du roi, parmi eux, il y en avait Mardoché. Vous allez découvrir. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il, dédaignant de porter la main sur Mardoché, seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Très simple à saisir. Ils sont en déportation depuis des années. Esther, qui n'est pas son nom d'origine, va être adoptée par Mardoché. Et ils ne vont pas décliner tout de suite leur identité et leur lien parental, peu importe. Mais les concours de circonstances, je passe très vite, vont amener Esther à occuper un rang, voire à être la reine donc de ce royaume auprès de ce roi d'Assuérus. Mais comme vous savez, quand on a Dieu dans notre cœur, peu importe le lieu où on est, on sait qu'il est là. Mardoché se retrouve donc comme serviteur dans la cour du roi, occupant le poste de l'entrée. Mardoché est celui qui va permettre à ce que le roi ne vive pas un certain complot, puisqu'il entend des bruits, il a entendu, et va signaler cela à Esther pour qu'Esther en fasse part. Et ça a permis d'éviter un certain complot, et ceux qui étaient à l'origine de cela vont se retrouver être pendu. Aman, c'est le dédaigneux de cœur. Aman, c'est celui qui en veut non seulement à nos vies, mais à la vie de ceux et celles qui nous sont chers. Aman, c'est l'image qui n'est pas
jolie que je veux décrire et peut-être toucher du doigt quelques réalités qui pourraient nous concerner et qui peut-être pourraient même nous amener de... Mais combien nous savons que s'il y a des Haman, il y a aussi des Mardoché, il y a aussi des Esther. Les Haman de nos vies. Haman était un homme qui a tout donné, donné sa vie pour la cause du roi d'Assyrus. Bien avant même d'être élevé, il faisait tout pour le roi. Il a donné sa vie, ses forces, c'est son savoir-faire, son savoir-être. Cependant, il avait un cœur dédaigneux. À chaque fois qu'il venait pour les affaires du roi et qu'il franchissait le seuil de la porte d'entrée du roi et qu'il voyait Mardoché, quelque chose en lui n'allait pas. Pour ça, je suis bouleversé ce matin d'entendre ces prophéties parce qu'il y a des mots que je ne vais pas répéter parce que ça, c'est facile pour certains. Ça donnerait l'impression qu'ils se sont complotés ou se sont dit les choses avant de faire. Mais loin de là, à nos yeux et à mes yeux, ce genre de situation, il y a des mots qui sont exactement les mêmes mots que j'ai écrits. Mardoché rentre dans la cour, il regarde Mardoché. Haman rentre dans la cour, il regarde Mardoché avec un regard. Pas gentil, un regard avec un cœur meurtrier, un cœur qui a le désir de dire « Un jour, je te tuerai. » Pas que toi, mais tout ton peuple. Tous ceux qui tournent autour de toi, je t'anéantirai. Ça n'empêchait pas Haman en rentrant. Et dans cette cohorte et dans la pratique, quand Haman venait, ce n'était pas n'importe qui. Alors toute la garde à l'entrée se doit de prosterner. Mais nous savons que Mardoché, et par son Dieu, n'était pas appelé à fléchir devant n'importe qui, se prosterner devant n'importe qui. D'autres l'ont vécu. Pense à Daniel et ses compagnons. Alors, laisse-moi te dire que dans l'Église des temps de la fin, il y a des Mardoché, il y a aussi des Haman. C'est moche ce que je dis, mais c'est vrai. Haman n'aimait pas entendre parler des Juifs. Haman ne voulait surtout pas la présence des Juifs. Haman nourrissait quelque chose de pas joli. Il était tout le temps dans la cour du roi. Il servait fidèlement le roi. Permettez-moi de faire juste le parallélisme, on n'en peut plus. Oui, pourquoi? Parce qu'on peut être fidèle dans l'Église. Fidèle dans ses dons, dans ses talents. Et posséder et nourrir un cœur meurtrier. Ça, c'est dur. Ce message n'est pas un message de vœux de 2023. Mais si le Seigneur pouvait nous faire grâce. Pourquoi je dis cela? Haman aimait le roi. Il travaillait pour le roi. Je crois que tous que nous sommes là, les 300 et quelques que nous sommes ce matin, nous aimons tous le Seigneur. Nous servons tous le Seigneur. Nous courons vers le même but. Et sûrement dans notre cœur, nous nourrissons l'idée de pouvoir vivre éternellement un jour avec le Seigneur. Ne serait-ce que ça qui a motivé votre venue. Ça, c'est l'idéal. Mais la réalité, l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Si tu n'es pas capable de dire bonjour ou bonsoir, si tu médites de faire du mal. Ça m'a toujours surpris de voir que l'idée d'Haman, ce n'est pas simplement d'éliminer la personne qui ne veut pas fléchir le genou, mais pourquoi en vouloir à son peuple? Qu'est-ce que le peuple juif a fait? Que Mardoché ne se prosterne pas devant toi et que tu veuilles l'éliminer à la rigueur et encore.
Mais pourquoi vouloir éliminer le peuple? Savez-vous que l'ennemi de nos âmes ne cherche pas juste qu'un de nous tombe, mais cherche que l'Église soit fermée et que l'Église tombe. Es-tu conscient de cela? L'ennemi ne cherche pas juste que ton mari tombe ou que ta femme tombe. Il cherche que tes enfants aussi repartent en arrière et qu'on n'en parle plus. Quelle est la semence de ton cœur? Le roi qui a élevé Aman en dignité, c'est le même roi qui a pris Mardoché aussi en service. C'est pour ça que j'introduisais en disant, Dieu aime la personne que tu n'aimes pas. Le même Dieu t'aime. Tu ne t'es jamais posé la question, comment il peut m'aimer moi et puis aimer l'autre, puisque tu ne veux même pas dire son nom. Comment? Est-ce que tu sais que tu es en train, peut-être consciemment ou inconsciemment, de jouer avec l'éternité, ton éternité? Et les enjeux ne se limitent pas qu'à toi. C'est la famille de Dieu. Je dis toujours, imaginez un seul instant, il ne faut même pas imaginer parce que c'est moche, qu'après avoir fait tout ce que tu as fait pour Dieu, ils ne te reconnaissent pas à la fin. Tu auras perdu dans le sens. Parce que tu as dédaigné son œuvre, son corps, son église, et au final, même ça, tu n'es pas rentré. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est plus qu'une dimanche matin à 11h. Le culte, c'est à 10h. Frère, le bus, le tram, il pleut. C'est ce que tu dis quand tu vas au boulot? Pour les Aman, ce qui compte, c'est Dieu et Dieu seulement. Moi, je sers mon Dieu. Moi, je fais pour Dieu. C'est pour Dieu que je... Mais en attendant, Dieu a mis entre lui et toi des humains qui te ressemblent. Deux oreilles comme toi, deux yeux comme toi. Ils respirent comme toi, ils vont aux toilettes comme toi. Comment tu peux enjamber ça et servir Dieu? Même Dieu, pour se servir ou pour te servir, a dû utiliser d'autres. Seigneur, fais-nous grâce. Ma première personne, je ne parle pas comme le gars qui est arrivé, qui a maîtrisé et qui est en paix avec tout le monde. Je sais que je ne suis pas en paix avec tout le monde. Oui. Aman en voulait à Mardoché. Parce qu'il n'a pas fléchi le genou en sa présence. Tu en veux ton frère parce qu'il ne réfléchit pas comme toi, parce qu'il n'a pas pris la décision comme toi tu aurais prise. Et tu oses mettre ton éternité en jeu pour ça. C'est grave. C'est grave. Jeune homme, jeune fille, il y a des héritages qu'il va falloir arrêter. Oui, oui. On ne peut pas porter des héritages de colère de 30 ou de 40 ans et puis oser tout à nouveau. Crée Dieu, mon frère. Crée Dieu. Et je prie que ce matin, sa crainte s'empare de nous et qu'on ne court pas derrière la religion, mais qu'on court devant un Dieu qui, quand il se lève, peut nous pulvériser. Dieu reste Dieu. Sa patience est énorme. Mais sa patience prendra fin un jour. Vous savez comment Aman est mort? Esther 7, 10.
Et l'on pendit Aman au bois. Écoutez la suite. Peux-tu afficher ça, s'il te plaît? Il a été pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Vous savez ce qu'on dit chez moi, en Morée, au Burkina, que sûrement on le dit dans tout d'autres cieux, même ici à l'heure. Celui qui se couche sur le dos et qui lance un crachat, ça revient sur lui-même. Je parle aux parents comme moi. Ce que nous disons, ce que nous faisons, de la manière dont nous traitons aux autres, les nôtres, rencontreront des hommes et des femmes qui vont les traiter de la même manière. Donc fais attention. Fais attention. Fais attention. Accepte de persévérer même dans l'injustice, même dans ce qui t'est difficile. Mais il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Dans ta douleur, dis rien. Ce n'est pas grave qu'on dise que tu ne dis rien. Ce n'est pas grave. Parce que ce que tu vas dire va être retenu dans le monde spirituel. Mes amis, refuse la vie chrétienne. Olé, olé. Ce matin, rentre en toi-même. En toi-même. Mardoché avait accès à la cour du roi. Aman avait accès à la cour du roi. On a tous accès auprès du maître. On a tous accès auprès de notre Dieu. Voilà, de façon succincte, la pensée qui m'animait, les Hérodes, les Pharaons et les Aman, ce n'est pas que du passé, c'est présent. Qu'est-ce que je veux faire? Un point commun à ces trois personnes, ils sont tous morts. Aucun n'est revenu à la vie. Pour ceux qui aiment les études bibliques, qui approfondissent leurs connaissances, il y a un historien juif qu'on appelle Joseph Flavius, qui, dans les années, des décennies en arrière, a écrit un gros bouquin. Et dans ce livre, il parle de façon culturelle la manière dont Hérode est mort, le mal qu'il a fait autour de lui, jusqu'à ses propres enfants. Il les a tous tués. Pharaon, en son temps, n'est pas n'importe qui. Avec toute l'armée qu'il avait, dire qu'il va juste être tué par les amants des eaux, c'est juste incroyable. Aman, de l'autorité qui lui avait été conférée, va se retrouver juste être pendu. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que je connais un qui est mort sans avoir rien fait. Quelqu'un a prié tout à l'heure en parlant de son sang innocent. Il est mort, il est ressuscité. C'est en son nom que je peux croire que ce qui t'est impossible peut être possible. Ce que tu as du mal à digérer peut être digéré en son nom, en son nom. Mais ne mets pas ton éternité en jeu. Ne philosophe pas avec la pensée que je viens de donner ce matin. N'essaye pas de savoir du comment, du pourquoi. Sois simple. Simple.